Togo, communiqué du G9 concernant la suspension de Uro Akpo Chaniao publié le 20 février 2023 par Miyajos c'est avec consternation que le G9 vient d'apprendre la suspension du camarade Uro Akpo Chaniao de toutes les instances dirigeantes de l'ANC. Togo, nous sommes d'autant plus choqués que cette suspension d'un des plus illustres militants de notre parti ne serait basée que sur des informations recueillies de manière douteuse auprès d'individus sans foi ni loi, et complètement sortis de leur contexte. Nous rappelons que le camarade Uro Ekpo Tchaniao a pendant de longues années dignement représenté le parti dans la région centrale du pays. Nos compatriotes lui ont reconnu ses mérites en l'élisant député de la nation. Nous rappelons également que sans le camarade Uro Ekpo Tchaniao, l'ANC aurait perdu toute sa base militante à se coder dans toute la région centrale pendant la révolution de 2017-2018. Notre camarade a été la lueur d'espoir restée allumée dans ces années. Là quand codé était devenu une ville martyre nous sommes donc profondément scandalisés par le mépris dont fait montre le comité politique de la NC à l'encontre de notre camarade le suspendant comme un vulgaire individu, oubliant qu'au delà de l'honorable Ouro Akpo Tchaniao, ce sont ces milliers d'électeurs que l'on humilie. Après la suspension de bon nombre de cadres de la diaspora, c'est maintenant au tour des cadres du parti sur le territoire national d'être sanctionnés. L'autoritarisme dont fait montre la direction de la NC ne peut que conduire à un appauvrissement intellectuel et in fine à la ruine du parti. Voilà pourquoi le G9 demande instamment la levée immédiate de toute sanction contre le député Ouro Epko et sa réintégration dans les instances du parti. Nous appelons le comité politique à mettre fin à cette stratégie de la terreur qui est en train de transformer les rares militants qu'il nous reste en béni oui oui, servile. Le culte de la personnalité n'a jamais été le signe d'une gouvernance vertueuse au sein d'un parti. Fait à Londres le 19 février 2023 pour g 9 Lucien Hunkanli, ex-préside de la Fédération internationale Europasie de l'ANC.